Quand on lit bien le livre et qu'on comprend réellement le sens de ce que Amadou Ampateba veut lire à travers les différentes lignes, on verra clairement que les deux amis de Hamadi, dont Dimbourou et Hamtoudou, ont échoué parce que tout simplement, ils n'étaient pas intéressés par la quête du savoir. Ils voyaient seulement la gloire, le succès, le pouvoir que la quantité d'or que Kaïdara leur avait donné pouvait leur apporter. L'un rêvait de devenir un grand djoula pour augmenter sa fortune et l'autre, lui, voulait qu'on chante son nom partout et par tous et que son argent puisse être à lui seul sans l'apport, sans l'apporter, sans aider les pauvres. Quant à Amadi, lui, dans sa grande sagesse, il voulait partager sa fortune avec les plus démunis, avec les pauvres, donner une nouvelle directive au monde dans lequel il vivait. Il voulait surtout dessiner un sourire sur chaque visage et c'est ce qui a fait son plus grand bonheur. Par la sagesse, il donne plus de deux fois son argent, c'est-à-dire la quantité d'or qui a été donnée par le dieu Kaïdara. Il a donné ça dans un premier temps à un vieux pour avoir quelques conseils qui lui seront bien utiles au cours de l'histoire. Et ensuite, il va donner encore trois bœufs chargés en or à un autre vieux, c'est-à-dire le même vieux au cours de l'histoire, maintenant au bord d'un fleuve. Mais tout ça lui sera restitué à la fin. Il va se retrouver à la fin avec les trois bœufs de Dimbourou et de Hamtoudou et ses trois bœufs aussi, c'est-à-dire au total 9 bœufs chargés en or. Au cours de l'histoire, le vieux va lui donner des conseils au prix de 3 bœufs chargés en or. Ces conseils vont l'aider au cours de l'histoire. Je dirais même que ce sont ces conseils qui l'ont aidé à gagner. Même si ce n'était pas une compétition, mais c'était une initiation. Je peux dire que ce sont ces conseils qui l'ont aidé à se retrouver sain et sauf au sein de sa famille. Le premier conseil que le vieux lui a donné, c'était « En hiver d'âge, n'entreprend jamais un voyage dans l'après-midi. » Il a respecté ce conseil. Le deuxième conseil, c'était « Pour rien au monde, mon fils, ne désobéis à un interdit qui remonte à des siècles. » Il a respecté ça aussi. Lui a valu le grand bien. Le troisième et dernier conseil, au prix d'un bœuf chargé en or, c'était « N'agis jamais sur un simple soupçon, mon fils. » Quand nous voyons ces trois conseils, Hamadi, lui, il a préféré le savoir aux futilités, c'est-à-dire aux choses matérielles de cette vie. Et il a gagné au final. Il a pu s'en sortir et avec le savoir, et avec l'avoir, et surtout avec le pouvoir. La partie où le père Boring dit à son fils, « Mon fils, tu épouseras 4 femmes ou 4 en une seule. » C'est une phrase bien profonde en sens et en sagesse. Épouser 4 femmes d'abord, c'est quoi? Épouser une bonne femme. 1. 2. Épouser une belle femme. 3. Épouser une mère de famille. Et 4. Épouser une femme d'amour. Eh bien, épouser 4 en une seule, ça veut dire retrouver toutes ses qualités en une seule femme. Donc quand tu arrives à retrouver ses qualités en une seule femme, mon fils, limite-toi à une seule femme. Là se trouve ton bonheur. Maintenant, il dit à son fils, la première femme
c'est le trésor inépuisable de ton foyer. Quant à la seconde femme, la deuxième femme, c'est l'ornement que tu vas utiliser pour rendre jaloux tes rivaux. La troisième femme, c'est cette femme qui est comme un champ qui va recevoir tes semences pour te donner la descendance. Et comme on le dit, le cœur fait ce qu'il veut, l'amour ne se commande pas. La quatrième femme, c'est cette femme que tu vas épouser par amour. Avoir toutes ces qualités en une seule femme ou chacune de ces qualités chez une femme individuellement, voilà le sens que Boring voulait dire à son fils à travers cette phrase. Bien entendu, on dit que les écrivains, à travers l'histoire, ce qu'ils écrivent, c'est d'abord des choses qu'ils ont vues ou vécues qu'ils reprennent dans leurs écrits. Quand on lit Kaïdara de Amadou Ampateba, on sent bien qu'il a fait une analyse quasi complète de notre société. Presque complète parce que rien n'est parfait. Nous voyons de ces comportements, de ces modes de vie maintenant que l'on retrouve dans le livre. Au moment où les trois compagnons vont se retrouver face à trois puits, dont un au milieu, les deux extrémités, ils sont en train de s'échanger de l'eau sans qu'une goutte ne tombe dans celui du milieu. Cela nous montre comment se comportent certains de nos riches maintenant. Nous voyons des riches qui se font des cadeaux par-ci, par-là, alors qu'il y a un pauvre qui est à leur côté, qu'ils peuvent aider, mais ils ne le font pas. Ils se font des cadeaux, des voitures, des jets privés, des yachts et tout. Quelque chose qui va à l'encontre des bonnes manières. C'est aussi le fait de ressortir le respect. Le respect, l'amour, la sagesse, et surtout le sacrifice de soi dans cette histoire qu'on voit bien à travers beaucoup de personnes. À travers Kaïdara, j'ai su que je ne savais pas, comme nous tous d'ailleurs. Peut-être il y a certains qui vont dire je sais, mais réellement les personnes qui savent ne vont jamais se taper la poitrine pour se dire que je sais. C'est une leçon d'humilité, une leçon de respect, de confiance en soi, de sacrifice en soi. Et cette histoire, même peut-être que c'est un conte, comme le disent les peuples indiantos, un conte long, c'est peut-être un conte, mais un conte qui est basé sur une réalité et qui nous enseigne bien des choses. Nous allons voir que les trois compagnons, ils me rappellent à l'ordre en se disant « Ah, vas-y, dans cette société, comporte-toi ainsi si tu veux réussir, comporte-toi ainsi si tu veux réussir. » En même temps, Amadou Ampateba, il nous dit à travers ses écrits, un conte c'est comme un miroir où chacun peut se voir, où chacun peut s'identifier. Donc toi, moi et les autres peuvent voir leur comportement, leurs qualités, leurs défauts à travers cette histoire racontée. L'histoire de Kaïdara nous montre que nous devons nous aider les uns les autres. Nous devons donner aux plus démunis, nous devons nous comporter de façon humble, mais ne pas se laisser marcher dessus. Nous devons mettre en avant la quête du savoir. Le savoir protège son détenteur, son propriétaire. Eh bien, j'ai appris bien des choses, je ne peux pas tout le dire, parce qu'il y a de ces choses qu'on ne peut pas expliquer avec les mots, vu leur insuffisance et tout. Donc je dirais que j'ai vécu mille et une vies à travers Kaïdara. J'aimerais te remercier, toi, personnellement, parce que ce que tu fais est beau. Ce que tu fais, c'est magnifique. Ce que tu fais, c'est extraordinaire et tu en seras récompensé un jour, Inch'Allah. Comme j'aime le dire tout le temps, et peut-être tu as déjà entendu la phrase, la personne humaine, c'est comme un livre. C'est comme un livre. C'est-à-dire, ce qu'on voit, le physique et tout, ça, c'est la couverture. Tu peux voir peut-être cette couverture, tu te dis, ah ben, elle est moche, je ne vais pas rentrer dedans. Mais quand tu y rentres, tu verras à travers les différentes lignes que ce que l'auteur est en train de raconter, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Ce que j'aimerais dire à mes camarades, c'est au moins de s'efforcer à lire. C'est toujours de trouver des histoires intéressantes qui collent bien avec, je dirais, leur identité. Par exemple, les histoires, je peux dire « Mille et une nuits », il y a beaucoup d'histoires là-bas. Donc, ils peuvent prendre ça et lire parce qu'il y a beaucoup d'histoires là-bas. Et aussi, d'utiliser les réseaux sociaux comme un moyen efficace d'exploitation des œuvres littéraires. Parce qu'à travers les réseaux sociaux maintenant, nous voyons et nous pouvons avoir accès à beaucoup de choses dont on n'avait pas la possibilité.